Donc aujourd'hui, c'est le jour de lancement de production de notre nouvelle unité de production ciel, eau de table, avec une capacité maximale de 4800 bouteilles par heure et avec un investissement de 22 millions de dirhams. Donc c'est une première pour nous de lancer le format 2,5 litres pour notre marque eau de table ciel. Premier temps, oui, dans notre territoire de distribution des boissons gazeuses, qui est le nord et l'oriental, mais on va l'étendre incessamment vers les autres territoires via nos confrères de NABC et d'Agadir. On a fait un recrutement de 12 techniciens pour assurer la production de cette unité sur 3 shifts, 24 heures par jour. Le partenariat avec OCA, nous avons un contrat d'embouteilleur. C'est-à-dire que nous importons le concentré et nous sommes obligés de répondre à un cahier des charges. Toujours depuis 1975, je pense. Non, les gens qui travaillent ici, bien évidemment, sont les gens d'Oujda. Il y a parfois de transferts de ressources humaines quand il s'agit des dirigeants qui peuvent venir d'une autre entité du groupe, mais sinon ce sont des gens de la région. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de se l'imposer, c'est tout naturel. Quand on est quelque part dans une région, c'est pour promouvoir l'emploi dans cette région. Je peux dire que ça c'est à l'état embryonnaire, la décision a été prise. Nous allons faire la même chose dans la région d'Agadir. C'est lié à cette unité de distribution, cette entité de distribution que nous venons récemment de créer pour distribuer à la fois les produits Coca-Cola, mais aussi les produits de nos partenaires, dont certains sont déjà identifiés, dont nous avons commencé à distribuer les produits. Donc ce sont des produits des laitages, ce sont des glaces. Et bien entendu, ça nous permettra de distribuer aussi tous les produits qui seront issus de la transformation de nos produits agricoles. Aujourd'hui, nous avons des pruneaux, nous avons de l'huile d'olive. Bientôt, nous aurons bien d'autres produits, tels les confitures et autres choses. On va beaucoup s'appuyer sur les techniques de Coca-Cola. Voilà, c'est faire un transfert de savoir. On est très, très fiers de notre relation avec Diana Holding parce que c'est un acteur national qui porte le drapeau marocain sur plusieurs axes. Parmi ces axes-là, c'est la représentation de la compagnie Coca-Cola. Nous aussi, on se fait une fierté d'avoir des partenaires aussi importants qui sont locaux, qui ont une représentation géographique partout dans le pays. Donc c'est très important pour la présence et pour l'historique du système Coca-Cola au Maroc. Alors, on a un schéma qu'on fait conjointement avec nos partenaires. C'est les investissements qui ont été déclarés annoncés par la présidente ce matin. C'est des investissements qui sont système. Donc, on a des schémas intra-groupe, mais on investit conjointement. C'est confidentiel comme information. Par contre, le niveau d'investissement qui est contribué, tant qu'il est fait par le système Coca-Cola, que ce soit par son embouteilleur ou par la compagnie elle-même, ça reste un investissement fait par le système. Donc on ne partage pas forcément la répartition en interne.